chuchoté à mon oreille, rendors-toi, merveille. Mais moi, je ne dors pas, je suis le roi. Encore un moment, le bruit de la clé dans la serrure et la voiture sur le gravier. Je remonte le drap sur mon nez, croise les doigts. C'est une idée des correspondances de Manosque, auxquelles on avait souvent été ensemble. On a fait beaucoup de siestes ensemble, d'abord. Des siestes acoustiques. Siestes acoustiques, musicales, littéraires. On s'est rencontrés là-bas la première fois, ouais. Et puis, peut-être pas pour toi, mais moi, je suis venu te voir en spectacle. Ouais, tu m'envoyais tes bouquins. Et c'était quand même... pourvu qu'un jour, il y ait une occasion. Voilà. Enfin, moi, je me disais ça. Humblement. Exact. Moi de même. Et l'occasion, hop, comme ça, s'est présentée. On a sauté dessus. Et je pense que oui, il y a quand même beaucoup de choses dans les univers qui se rencontrent, qui se parlent, dans le côté instantané, comme ça, des petits moments de vie comme ça qui sont attrapés. Ça me frappe dans tes chansons. Particulièrement avec les orages qui sont des courtes histoires, donc ça se rapproche encore plus du format des chansons. Donc on s'est dit que l'assemblage pourrait marcher. La tempe est dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle, et je suis seul. La mère et moi seuls savons. Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse. Je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens chamane, unie à la mer toute puissante par une nuit sans lune.